Bonsoir. C'est la dernière vidéo de la saison, on va partir en vacances. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est un peu le bordel, on va pas se mentir. Vous avez, il y a plein de gens derrière, vous avez peut-être vu sur la miniature. On a décidé de faire un truc qui vous a énormément plu dans le Mili Milo avec Big Flo Oli. Il y avait plein de jeux et notamment la chanson Beaucoup Trop Bonnette. Extrait. Je suis toujours pas à l'aise avec la taille de mon sexe, au repos ou en érection, peu importe. Et bien c'était avec nous là. Oui, oui, voilà, on l'a dit. On arrive juste après. Et bien nous avons décidé d'en faire une version All Stars avec plein de guests parce que ce format vous a plu tout simplement et nous a fait kiffer aussi. Beaucoup de bons commentaires, beaucoup de kiff et surtout les gens ont beaucoup de choses à avouer sur eux-mêmes. Et c'est surtout incroyablement vertigineux de dire des trucs intimes, perso, vraiment, devant 3 millions de personnes. Et surtout, c'est une séance de psychanalyse. Oui, c'est une introspection orale. Exactement. Une introspection extrospectée. Donc voilà, avant de vous présenter chacun des individus, chacun des humanoïdes ici présents, déjà je veux dire que je t'aime très fort. Oh, je t'aime aussi. Que c'était fou, merci. C'était avec nous, chanson. En août, là, on va partir en vacances. On va revenir avec plein d'idées, plein d'inspirations, mais là on a besoin. Petit mois d'août tranquille comme vous, on reviendra en septembre avec de la folie, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, je voulais vous montrer un truc avant de partir. Carrément, tu le montres. Ah ouais, putain, t'en as 3 millions à faire, dis donc. Voilà donc la chanson honnête avec plein de guests All Star. C'est parti, présentons. Regarde, ils sont partis dans la maison, mais c'est pas vrai, des gamins. On espère que ça va vous plaire, on ne maîtrise rien. Non, ils sont... Oui, pas. Ce sont des gamins, t'as tout dit, c'est la cour de récré. Dépêchez-vous, on a trouvé de l'hélium, dépêchez-vous maintenant. Bonjour à tous, je suis Maxence. C'est dégueulasse. Je m'appelle quand même Balé. Ouais, jugez-moi. Oli, Big Flo, Big Flo, Oli. Salut. Méli Mélo. Salut. Salut, Jo. Jonathan Cohen. Jonathan Cohen. Manu Payet. C'est la Piro qui est la seule meuf aujourd'hui, merci d'être là. Alors rien ne dit que je suis une fille. On a Flaubert aussi. Flaubert qui est notre préféré devant tout le monde. Il y a 3 millions, il est timide. Je veux dire, il n'y a qu'une fille aussi aujourd'hui parce qu'il n'y a que elle qui a accepté. C'est vrai. Plein de gens ont refusé. Plein de gens ont refusé et c'est normal. Sachez que Jonathan Cohen mange des fruits perpétuellement. Ça fait 5 pêches. On voulait te parler de Budapest, moi j'ai vu Budapest, toi tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu encore. Et il est charmé. Il est chambé, allez loin. Ouais, moi je passe un super moment. Non. Venez maintenant, on commence la chanson ou quoi? 3, 4, et... On est honnête. On est quoi? Beaucoup trop honnête. On est honnête. Beaucoup trop honnête. Une fois sur les réseaux sociaux, j'ai dragué Claire Caïm, Alice Taglioni et Flavie Flamand. Et je me suis pris des vents. Quand les gens me parlent de ma fréquence de rapport sexuel, je gonfle les chiffres. Faut t'avouer à moitié pardonner. On est honnête, beaucoup trop honnête. Sous prétexte de devoir déplacer mes deux enfants, j'ai acheté un 4x4 qui pollue énormément. À l'essence. Je fais genre depuis tout à l'heure, mais en fait je suis hyper fan de Manu Payet. Vous pouvez demander à Oli, je regarde tous ses spectacles, tous ses films. J'ai même déjà demandé en soirée quand j'ai vu, car je suis fan de Manu. Partenaire sexuel s'élève à un. Une fille, tout le monde. Une fille, tout le monde. C'est pas énorme. J'en ai fait l'amour qu'à deux femmes dans ma vie. Oh. Dont l'une est ma femme encore aujourd'hui. On est honnête. Beaucoup trop honnête. Pour prendre des nouvelles, y'a toujours un qui est mort ou en prison. Et du coup, jamais plus. Ouais. Oh, Maxence. Je doute de moi tout le temps. Je ne suis pas un être si confiant. Malgré les apparences, je ne crois pas trop en moi. Et c'est trop un dur combat. On est honnête, beaucoup trop honnête. Good job.
Tu les mets tous dans les vidéos. Mon frère est homosexuel. Et lorsque par exemple, ça va être un peu long, il y a des repas ou un regroupement de gens, eh bien je fais exprès que le sujet arrive sur le tapis pour me permettre d'être un peu véhément et d'embrouiller les gens, car ça m'énerve les homophobes, mais j'attise exprès la haine des gens. Eh, tu homophobe toi? De Canal Plus, j'avais mon petit chien Gordon. On le connaît, il est super médiatisé. Merci. Devant tout le monde, devant l'entrée de Canal Plus, il a fait caca une capote entière. J'ai dû expliquer pourquoi. J'ai découvert très tard que les femmes pouvaient avoir un orgasme à 23 ans. Mais avant ça, je suis sorti avec une fille 2 ans que je n'ai jamais donc fait jouir. Olé, olé, beaucoup trop honnête. Ça bizarre, mais les enterrements, ça me gêne pas forcément, j'irai bien. Je trouve ça solennel et beau. J'ai des hémorroïdes une fois par trimestre. Aussi j'ai des hémorroïdes, j'en ai aussi, et une a éclaté devant tout le monde en festival un jour. Ça s'appelle une thrombose. Oh, oh, oh. Quand j'embrasse une meuf trop près de son nez, c'est que je viens de lâcher une sequée. Tu la comprends, c'est on n'est pas obligé de savoir. C'était le prénom de son ex, elle m'a quitté une semaine après la dernière séance. Oh là là. Une des punchlines préférées de tous les fans. Oh non. N'a pas vraiment été écrite par moi. C'est le père de l'ami, c'était une blague et je l'ai volé, je l'ai transformé en punchline. Oh là. C'est laquelle, c'est laquelle, c'est laquelle, c'est laquelle, c'est laquelle, c'est laquelle. C'est la meilleure! C'est la meilleure! Il s'est pas bien! C'est la meilleure! C'est la meilleure! C'est la meilleure! C'est la meilleure! C'était la meilleure! C'était la meilleure! La meilleure! La meilleure! Je suis allé voir un urologue. Femme, j'ai baissé mon pantalon en lui disant il y a un truc chelou au bout de mon pénis, j'aimerais savoir ce que c'est. Elle m'a dit: t'inquiète pas, on va faire une biopsie. Une biopsie. Je savais pas ce que c'était. J'ai dit ok, pas de soucis. Je suis allé au rendez-vous et ils m'ont expliqué qu'en fait il fallait couper un bout de ma bite avec un scalpel. Et ça a été
une anesthésie locale, non générale. J'étais réveillé et je parlais avec une femme pendant qu'il me coupait un bout du pénis. Tout ça pour qu'on m'apprenne qu'il n'y avait rien. Devant l'histoire générale, non générale, locale. La meilleure chose, je me suis fait opérer de la verge afin d'agrandir mon frein. Je n'en ai vu aucun. Je me donne des airs, peut-être un fond de jalousie. Oui, moi aussi, pour revenir sur le thème des zizi, je me suis fait ausculter par une femme de plus de 50 ans. Elle m'a tripoté la table et je dois avouer que j'ai un peu des bancs. Merci. On est honnête. Moi que vous êtes. Le petit pouce bleu. C'est incroyable. Et rapide à capella. Souvent je vais sur des sites porno pour me branler. Yeah. Direct après, je me mets à regretter. Alors yeah. Vite, je vais sur YouTube pour mettre une vidéo pour me changer les idées. Car j'ai honte sur ce quoi je me suis branlé. Ouais. En parlant de porno, hier soir, Carlito m'a envoyé un texto. Pendant que je me branlais, j'ai répondu pendant. Et rapide comme ça, c'est parfait. Ouais. Des insouhaités, la mort de quelqu'un. J'ai pleuré. Ah merde. Oh merde. Oh, et le lendemain. Ouais, j'ai ça. On est honnête. Beaucoup trop honnête. On est honnête. On espère que ça vous a plu, c'est un exercice très difficile. Les gars, c'est que de l'impro tout ça, on ne sait vraiment pas parler, on ne savait pas qui prenait le mic à chaque fois, c'est fou, je transpire comme un tarif. Oui, donc acceptez vos défauts, c'est le meilleur moyen de ne pas en souffrir. Absolument. Ne parlez jamais de vos complexes parce que sinon les gens vont s'attarder là-dessus, ils vont le remarquer, donc ne soyez pas complexes. Et ne jugez personne parce qu'on a dit des trucs, voilà, et faudrait pas que vous jugez, merci. Et Maxence me complexe parce que c'est la version beau de moi. C'est très drôle, la chanson est finie, mais les gens ont envie de se livrer. Mec, c'est la meilleure catharsis. On écoute. Un acapella. Avec des petits clapis. Non, moi. Lors de mes premières relations sexuelles. Oh putain. Et pendant plusieurs mois, j'étais éjaculateur très précoce. Je tenais genre moins de 15 secondes. Et maintenant c'est réglé. Et je tiens à dire à tous les jeunes à qui ça arrive que le temps ça passe et qu'on y travaille. Ah, oh, quel bonheur. En 2012, j'ai eu un rendez-vous avec un mec. Il m'a dit je pars au Mexique et je te rappelle après. Ah, oh là là. Aujourd'hui, il parle bien espagnol. Quand il est difficile à dire pour moi. Devant des gens qui connaissent pas. J'étais en promo pour le film. Un soir dans une chambre d'hôtel, Poulpe m'a parlé. Il m'a fait plein de compliments sur ma personne. J'ai cru qu'il était amoureux de moi. Et j'ai flippé. Je savais pas comment lui dire. Au début de notre rencontre, j'avais vraiment énormément de mal avec Carlito. Je le trouvais méchant et parfois un peu imbu de lui-même. J'ai vraiment eu du mal à passer des après-midi avec lui. C'est qu'à tout le monde. Je l'aime. Oh, oh là là. Coulé dur. Il est dur, mais il est juste. Le deuxième album est moins bien que le premier. Quand sera-t-il du troisième? Je sais pas. Le déclin probablement. Non, mais cool, t'inquiète. Voilà à quoi je ressemblais quand j'étais petit.
J'ai un regard d'adulte, on dirait que j'ai un bar tabac alors que j'ai 12 ans. Et que je vends des tacos à TV pour vous dire que ma vie n'a pas été si simple. J'ai commencé par le dur et après faut voir ce qui s'est passé. On verra ça dans une autre vidéo. Est-ce que tu peux nous dépanner d'un astro ou deux? Je voudrais un qui veut une cartouche de Malvax, c'est juste quand je suis trop petit, maman, tu peux m'aider. Voilà, alors fermez bien vos placos. C'est quoi cette vidéo? J'étais fan de McFly et Carlito en 2010-2011 pour ceux qui savent. Et j'avais envoyé un message à McFly et j'ai jamais eu de réponse. Voilà. La vraie bonne image. Je devais retourner un autre soir à la radio, j'étais trop chaud, j'avais préparé mon truc et tout. Ils m'ont jamais recontacté, il m'a jamais répondu. Ok. Si rien n'a changé. J'ai toujours en travers, mais je t'aime. Tu es en vacances après? Je ne la raconterai pas. Oh, oh oui, c'est vrai, oh, oh merde, oui. J'avais oublié. Ah, mais je peux le faire. On est en fin. Oui, ouais, d'ailleurs. Ça peut faire un peu feu de bois, feu de corps. Allez. Merci à tous. C'est la dernière vidéo de la saison. Je suis pas amoureux de Manu, hein. Je suis pas amoureux de Manu. Merci de nous avoir suivis. Vous avez dépassé toutes nos attentes. Nos attentes. Nos attentes. On va partir en vacances en août. Pour voir un peu les enfants et la famille. Mais dans le fond, j'ai un peu peur que vous ne soyez plus là à la rentrée. C'est faux. Revenez, s'il vous plaît, en septembre. Revenez, s'il vous plaît, en septembre. Hey, hey. Revenez, s'il vous plaît, en septembre. Hey, hey. Sortez couverts, buvez pas trop. Respectez la famille. Restez ouverts d'esprit. Vous êtes quoi? Attention. Big Flo fait 45 kilos. On l'a dansé. Et au début, j'ai pensé que c'était une maladie, je n'osais pas lui en parler. C'est vrai? Oui, juste pour vous prévenir quand même, on n'a pas pu résister. On vous a préparé une vidéo surprise pour la semaine prochaine. Donc rendez-vous dimanche. Vous pensiez pas que j'allais oublier de daber quand même dans cette vidéo. On y va les gars? Yes, ouais. Allez go.